Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode d'Elite Dangerous. Un épisode un petit peu particulier, puisqu'on va changer des deux derniers épisodes qui étaient un petit peu dans la zone de conflit, toujours dans le combat pur. On va passer à des missions directement. On va traquer les seigneurs pirates Raymond G. Ryder dans le système Scotty. Donc on va prendre celle-là. Hop, si le jeu veut bien. Parfait. On a mettre définitivement Mindavoy à la retraite dans le système Scotty encore une fois, donc très intéressant. Le petit à côté, d'accord, un combattant, d'accord. Donc c'est du spatioport, cargaison, donc ça c'est de la cargaison. Et nettoyer les voies commerciales qui est aussi dans le système Scotty. Donc c'est parfait, donc pour un total d'à peu près 130-140 000 crédits. Plus les kills, bien sûr. Pour ce faire, nous allons donc nous rendre dans le système Scotty, hein, vous vous doutez bien. En espérant que très proche du soleil, il y ait une station pour faire le plein de munitions. Je vous rappelle que dans le dernier épisode, j'ai pas touché depuis le dernier épisode, malheureusement. J'ai du retard, avec la chaleur, je suis complètement ralenti, c'est violent. Donc ouais, il faudrait essayer de trouver des munitions quelque part. Alors j'espère que mon machin va pas faire des siennes. Normalement, je vais pas faire des siennes dès le début. Genre m'envoyer voler dans le décor. Ship released. Engines engaged. Cargo scoop deployed. Ah oui, c'est parce que comme j'ai fait le tournage. Voilà. Cargo scoop retracted. Crac. Un petit coup de booster. Et on est parti pour ces trois petites missions. Hop. Frameshift drive charging. Et on verra bien où ça nous mène. J'ai deux petits symboles là. La puissance a besoin de coups. Oh la vache, c'est con. Donc moi j'attends toujours de pouvoir faire des lives, chers amis. Je vous rappelle que Orange était un gros enculé. D'ailleurs je remercie je ne sais plus qui m'a fait la blague. Il faut les presser, ça sortira au moins du jus. Belle blague. Bon, je l'avais sûrement déjà dans la tête quelque part, mais bon, on me l'avait déjà dit. Mais belle blague, je reconnais. Ce qui se passe, c'est que moi, pour vous dire, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, tout ce qui est comment réseau, moi, je suis actuellement en ADSL 2, donc un des premiers réseaux vraiment plus ou moins potable qu'ils avaient sorti à l'époque. Donc VDSL 2. Il y a maintenant, depuis 2011-2009, entre 2011 et 2009, je ne sais plus. Il y a maintenant le VDSL 2, je crois que j'ai dit oui, je suis en ADSL 2 et j'aimerais avoir le VDSL 2 qui est déjà plus puissant. Parce que oui, la fibre passe par ma ville, mais il n'y a pas de plot pour simplement s'y mettre. Hein. Je ne peux pas avoir la fibre, la fibre passe par ma ville mais ne s'y arrête pas, c'est ce qu'on dit chez nous. Donc vraiment encore une fois un truc stupide, vive la campagne. Et donc je me bats pour avoir le VDSL 2, donc j'avais déjà appelé au tout début de la chaîne, il y a 6 mois, 8 mois, non, déjà. Ok, là, tu vois. Voilà. Il m'avait dit rappeler dans 6 mois, ça devrait être fait. J'ai rappelé 6 mois plus tard, rien n'était fait, chers amis. J'aurais peut-être dû en profiter, cette petite fenêtre. J'ai rappelé donc s'il y a 2 mois, ou 1 mois, ou 2 mois, oui, 2 mois, c'est ça. Rien n'était fait, on m'avait dit rappeler dans 1 mois, ce sera fait, normalement. J'ai rappelé il y a donc 1 mois. Et on m'a dit, non, c'est pas fait, rappelez la semaine prochaine, ils auront fait les choses sur la ligne. J'ai rappelé la semaine d'après, oui, c'est fait, mais faut rappeler la semaine prochaine pour que ce soit prêt à lancer, d'accord. J'ai rappelé la semaine suivante, on m'a dit, non, y'a rien qui a été fait sur la ligne, etc. Y'a pas de code qui a été mis sur les montées pour monter votre connexion. Par conséquent, rien n'a encore été fait. Je ne sais pas qui vous a dit ça, mais rien n'a encore été fait. Donc forcément, moi, pas content, je leur dis, quand est-ce que ça sera fait? La semaine prochaine, bon. Donc là, à l'heure actuelle, l'heure où je tourne, on est vendredi. J'appellerai donc demain.
voir si ça a vraiment été fait ou s'il me mène en bateau. Et s'il me mène en bateau, ça va pas le faire. Cette fichue station de. Cette fichue zone d'atterrissage. Là, la voilà. Faites qu'ils vendent des munitions. Hop. Parfait. Eh ben non, pas de munitions. Alors, niveau munitions, j'en suis où? Où est-ce qu'on peut voir ça? État des systèmes, du système, pardon. Bon, bah écoutez, on va décoller, puis on va faire sans les munitions. Hein. Il m'en restait 1200, je crois, ou un truc comme ça, je m'en rappelle plus, mais... Ah, quoique, peut-être un petit peu moins, parce qu'on a buté, on a buté des pitons, un piton. Oh, ça devrait être suffisant. Ça devrait être suffisant. Ça devrait être suffisant. Bon, on va y aller. On y va. On va pas s'embêter, chers amis, on y va. On a donc... un pirate à tuer. Trouver mine d'aveuil. Et Raymond Géride. Frameshift drive charging. Pour peu que l'un des deux soit un pirate, on fera du cadeau. 3, 2, 1, engage. Bon. Alors, c'est parti, allons-y, soyons fous. Barney Martin, bonjour, qui êtes-vous Barney? Follow my wake and we can talk. Bon, bah écoute, je vais te suivre. Bon. Il s'est passé quoi? Frameshift drive charging. Bon, retentons notre chance. 4, 3, 2, 1. Très bien. J'étais en train de penser à 20 secondes avant, donc forcément je me suis fait eu. Ah! Nous disions donc. Merci de ne pas me lâcher au niveau des quêtes, ce serait sympa. Sidewinder, d'accord. Balise de navigation, rien de plus. J'imagine que c'est son ami. Voilà, c'est ce que je disais. Source de signal forte. Est-ce qu'on tente le coup? Oui. Nous tentons le coup. Nous tentons le coup. On va bien voir. On a deux sources de signal fortes assez proches. Par contre, il serait peut-être temps qu'on s'approche un petit peu plus vite.
Oh, forcément! Forcément, on avance à rien, puis d'un seul coup, dès que j'accélère un tout petit poil le cul, ça veut plus, ça veut plus. Voilà. Ah bah d'accord. Hop, voilà, ça c'est fait. Bon, bonjour, bonjour. Ça cause pas. Pas de menace, rien. What the fuck? Ok, c'est l'heure de la fuite. Ça m'a traîné, j'imagine. D'accord. C'est pris quelques jets dans le nez, mais ce n'est pas grave. Frameshift drive charging. Frameshift drive charging. Pas de facteur de masse. 4, 3, 2, 1, engage. Hop. Alors. Cette mission qui devait être aussi simple ne l'est pas tant que ça. Quoique. Alors. Où sont-ils ? C'est chiant ça. Alors, Ginger Lee's. Ah 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 ah. Tu es loin, mademoiselle. Coursier impérial Harry Ishai, il doit être aussi un pirate. Ouais, c'est ça. Les deux vont faire très très mal en fait. En plus, ils sont trop loin. On va retourner à Babakin Duck et voir ce qui en sort en fait. Parce que ça m'inquiète, quand on a fait le truc, il y a eu des quêtes qui ont été sûrement mises à jour ou d'un moyen comme un autre. Enfin, d'un moyen ou d'une. Oh mince, j'arrive plus à parler, il fait trop chaud. Oui, je mets tout sur le compte de la chaleur. Et alors ? Oui, non, quand on est sorti du truc, il y a eu plusieurs quêtes qui sont mises à jour et j'aimerais savoir si ça a pas bloqué certains avancements tout simplement. Hop. Excusez-moi. Hop, hop, hop. Source de signal non identifié. Attendez. Hop. Voilà. Oh là là. Oui, on l'a eu. Ouhouhou. Putain, j'ai eu les boules. Monsieur. Oh non. On peut le marrer sur la tête de Seigneur Pirate Jaemon Rider. Oui, c'est vrai.
Scan detected. Je vais te faire un contre-proposition qui te permettra de gagner des crédits tout en sauvant ta chaîne de vie. T'intéresse ? Non, non, je vais pas faire comme ça. Je ne vais pas faire comme ça. Non, non, c'est... Je vais les attaquer et je vais... J'ai besoin de tuer le pirate, c'est le seigneur pirate, pardon. Ce monsieur se prend pour un roi. Alors là, tu n'aurais pas dû me scanner de base. Alors, qui c'est qui m'a parlé? C'est Barney Martin. Barney. Target destroyed. Ah bah, Barney. Barney, non, on n'est pas comme ça chez nous, voyons. Et oh, reviens, Barney. Barney. T'as de la chance, c'est pas toi que je cherche. Boum. Barney. Barney. Ah, je te vois. Je refuse sa proposition. Alors ça c'est bon. Ah oui d'accord, si j'abandonne, je peux choisir de... D'accord. Eh ben non. Moi je vais le chercher, je vais le trouver. Hop. C'est dit. 4, 3, 2, 1. Alors. Comme ça il y en a un qui a peur qui veut que j'assassine quelqu'un d'autre, voilà, pour le pur plaisir. Alors alors. Qu'est-ce que c'est que ça? Un ASP Reus 9 létal. Casier vierge. Bon bah je te laisse en vie alors, casier vierge. Source de signal faible, j'imagine que c'est dans une source de signal inconnue. On va donc se laisser y aller. Hop. J'ai vraiment hâte qu'on passe à un autre vaisseau, chers amis, parce que celui-ci déjà d'une. Ça commence à faire longtemps qu'on l'a. Et de deux, je le trouve vraiment pas top niveau intérieur. C'est l'intérieur qui me gêne le plus. Et vu les dégâts qui se bouffent aussi sur certains, contre certains gros vaisseaux, croyez-moi, je n'ai vraiment pas forcément envie de le garder trop longtemps. Waouh, celle-là, je vais m'en baiser dans le nez. Hop. Voilà, dans le nez. Ça, je vais être super lent. Non, ça va. Ça, si, je suis super lent quand même. Non, pas encore. C'est limite si mes moteurs sont pas éteints là. Heureusement qu'on sait tous que j'ai de la propulsion à l'avant. Hein. Enfin, que j'ai de la, oui, de la rétropropulsion, donc, parce que sinon. On dirait peut-être qu'en FTL il veut pas la. Oui. En super cruise il veut peut-être pas la utiliser. Non, non, je veux pas défoncer le vaisseau si tu vois ce que je veux dire. Hop, allons voir. Bonjour, bonjour. Je cherche deux personnages assez connus dans le coin. Et à mon avis ils sont là. Popo.
Onini. Il y a un que j'ai pas dû scanner. Le Eagle. Monsieur le Eagle, bonjour. Ah, mais vous ne m'intéressez pas, les gars. M'intéressez pas. Voilà. Ok, pour 10 000 crédits, vous m'intéressez. J'ai rien dit. Hop. Près de 34 000. Bah, écoute, c'est intéressant aussi ça. Alors. Le petit générateur. Gaspiller notre nos munitions. Voilà. Boum. Un petit peu de crédit supplémentaire. Il y a deux vaisseaux supplémentaires qui sont arrivés aussi. Tiens. Un anaconda. J'ai des messages maintenant en plus. Hop, voilà. Et un Eagle. Non, eux ne m'intéressent pas du tout. C'est l'heure de la fuite. Alors, je vous rappelle qu'il nous reste deux chefs pirates à trouver. En tout cas, deux entités, deux bots à trouver qui devront être tués. Alors, où sont-ils? Forcément, elle est plus là. Il y en avait une deuxième d'ailleurs, une deuxième source de signal inconnue. Portipis, on en sera certainement pas un. Maggie Pirier, non. Ce n'est pas toi que je cherche. Alors. Bon. Comme s'il y avait énormément de choses. Points, 40% de compétences de combattance. Oh! 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 Oh le vilain pas beau! Oh le vilain pas beau! Bonjour monsieur! Tu es quoi? Un cobra! Under attack. Alors, tu te ramènes ou pas? Je vais te freiner pour que tu te rapproches. Voilà. Non, j'arrive. Il lâche sa soute. Ah le con. Mais non, tu veux offrir mon cadavre à rien du tout en fait. Target shields online.
Allez, ramène tes fesses. J'ai tout ce que je veux sauf ce que je veux. Enfin, j'ai tout ce. Je trouve plein de trucs sauf ce que je veux. Allez, boum, t'es mort. Oh, l'éclairage du vaisseau à coup d'explosion. Bon, qu'est-ce qu'il a lâché ? Illégal, forcément. Ah oui. Je me doute bien. Penses-tu ? Bon. On trouve toujours pas ce qu'on veut, chers amis. Hein. C'est pas top. Bra. Où est-ce qu'ils sont ? Soria Green. Qu'est-ce que tu veux ? Pour voir. Je peux pas lui parler non plus. Je me dis, ça se trouve, on parle en répondant au RPG, au PNJ, pardon. C'est pas souvent qu'on en voit. Bon, est-ce qu'on a des choses un peu plus intéressantes? Ah. Ah ah ah. Attendez. Avec un peu de bol. Ah putain, il y en a deux, juste l'une à côté de l'autre, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Hop, allons-y. Alors, qui est là ? Oui, je me doute bien, vous êtes des pirates. Scan detected. Est-ce qu'il y a celui que je cherche ou pas ? Ah, l'autre il me parle. Donc les transactions. J'ai rien. Hein. J'ai rien du tout, moi. Hein. D'ailleurs, ce qui me fait chier. Hein. Target shields offline. Bon. Target shields online. Toi, t'es qui ? T'es le fameux cobra ? Scan detected. Blue Zai. Under attack. Target shields offline. Oups, pardon. Belle manœuvre. Très très belle manœuvre. Alors, il est là. Ah, salaud. Salaud. Oh la gueule, puis il est plus maniable que moi en plus maintenant, c'est autre chose. C'est nouveau ça. Voilà autre chose.
J'arrive plus à parler, je suis complètement à l'ouest. Alors, ramène tes fesses. Allez. Ah, je me l'approchais. Après le moment où lui se rapproche. C'est bon. Ça me semble presque logique quand j'y pense comme ça. Mais non. Online, offline, de toute façon il n'y a pas beaucoup de différence pour lui, il est mort. En règle générale, ça va pas l'aider. Hein. Voilà, par contre ce qui me fait chier c'est qu'on a toujours pas tombé sur les deux putains de... De gros au final, on va dire, on va appeler ça des gros. Allez. En plus c'est pas comme si c'était deux quoi. Donc j'ai peur qu'elle soit buggée. 2, 1, engage. Et puis forcément l'autre elle est plus là. Akela. Akela, tu es qui Akela? Attendez, il y en a une deuxième là. Hop. Target shields offline. C'est que ce groupe encore. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Scan detected. Mais y'a personne, mais non. Ah d'accord, c'était là. Ce qui est mon deuxième sujet. Que j'ai envoyé leur fils et leur fille à la mort. Sans raison, un peu et non seulement on a raison. Cela était absolument nécessaire. Si vous parvenez à me croire malgré tous leurs mensonges, rendez-vous dans le système Zou. Non. Ouh. Il a récemment accepté un contrat à mine. Oui, 250 000 crédits, oui. En fait, ça se trouve, c'est là depuis le début. Vous êtes tout en train de me le hurler. Et moi, je fais non, non, mais je les trouve pas. Putain, quel con. Quel con. Bah, ça m'apprendra. Hein. Bon. Tant pis, cet épisode sera un peu plus long. Il est déjà beaucoup plus long. On m'envoie des messages en plus. Mine d'aveuil alors, où es-tu? Anaconda, c'est peut-être lui. Docteur Foster, le voilà ma cible. La gueule. Putain, je fais le con. Non, il a disparu. Putain, je faisais le con, fais chier. Jeu de merde. Attendez, peut-être qu'il est là. C'est drôlement proche ce truc là. Attendez, peut-être qu'il est revenu. Non, putain, je me suis trompé de bouton. J'ai enchaîné les mauvais boutons comme un gros stressé de la vie.
Fais chier. Nom de Dieu. Je viens de passer à côté de 250 000 crédits, je crois, chers amis. C'est terrible, c'est affreux. Le jeu doit se moquer de moi. Et en plus, je me fais agresser. Mais tu fais quoi? Ok. Mais tu fais quoi quand même? Là, le générateur. Hop. Allez, ramène tes fesses, Alizia. Vous pouvez tous reculer et regarder qu'il a mis en plus. Je suis pressé et donc ça veut dire que c'est un homme et il s'appelle Alizia. Alizia. Moi, Même ses parents voulaient pas de lui. Alors. Alors. Allez, viens, remets tes fesses. Peut-être que j'économise un petit peu mes munitions, moi. Pas. Agressé comme un chien, je commence à me poser des questions. Allez, où es-tu? Hop. Où est-il? Allez. Putain. Ton popotin. Si encore je pouvais utiliser mes munitions, mais oui, mais là malheureusement je suis plus en état de les utiliser. De l'aide, ou alors c'est ce qu'il a largué, non je sais plus, ou alors c'est de l'aide. C'est plutôt ce qu'il est là. Ah putain,
Ah, vous voyez, il est bien le Vulture, hein. Et vous comptez l'attaquer quand, lui? Périmètre de sécurité établi. Vous voyez pas que je me fais attaquer? C'est la meilleure. Voilà, merci. Bon, bah écoutez les amis, on va se laisser là. Tant pis pour ces missions. Hop. Voilà, regardez bien moi. Regardez-moi bien. Hop. Et hop, je supprime. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Playroom. Donc, vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. N'hésitez pas à postuler dans ce même groupe Steam. Si vous souhaitez tout simplement participer à une session de tournage ou directement vous jeter en jeu. Je recherche malgré tout des gens matures, hein, chers amis. J'ai rien contre les jeunes, malheureusement, bah, moi je suis plus très très jeune aussi. Et donc du coup, bah, c'est plus facile pour moi de m'adapter avec des gens de mon âge. Voilà, donc le message est passé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens!